J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais te parler de deux masques coréens de la marque Entia. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc du coup on va commencer avec les informations sur les masques, où je les ai trouvés, comment, quand, etc. Le prix, etc. Et plein d'informations comme ça. Et si jamais au grand jamais j'ai oublié quelque chose ou tu as besoin de plus de questions, n'hésite pas à me poser ta question du coup en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc du coup en ce qui concerne les masques, si on les observe d'un peu plus près, on se rend compte que du coup tout est différent sauf le mot Entia que l'on retrouve ici. Donc c'est pour ça que j'en suis venue à la conclusion que Entia était le nom de la marque. Par contre je tiens à avouer que même si je les ai achetés en juillet 2016, je n'ai jamais pris le temps de regarder pour avoir des informations sur cette fameuse marque et en connaître un peu plus. Voilà, je suis un gros flemmard et j'ai pas pris de temps. En ce qui concerne les masques, je les ai payés 1,99€ l'un et je les ai payés à S Market, qui est un magasin que l'on retrouve du coup, une boutique comme tu veux, que l'on retrouve à rue Sainte-Anne à Paris, qui est juste à côté de Opéra. Et pour les otaku, je te dirais qu'il est la rue Sainte-Anne, du coup, est une rue juste à côté d'un Bookoff. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Bookoff est un magasin qui revend des mangas, des livres, autres, des DVD, des CD, etc. d'occasion. Et celui qui est à côté de rue Sainte-Anne, c'est le meilleur au niveau rayon manga parce qu'il est énorme. Voilà. Donc en ce qui concerne S-Market, il faut savoir que c'est une boutique de base qui vendait uniquement de la nourriture asiatique. Chinoise, coréenne, japonaise, vietnamienne, etc. etc. Et en juillet 2016, quand j'y suis repassée, il faut savoir que du coup, S-Market proposait, c'était à la caisse à l'époque, justement ces masques là. Ils ne proposaient aucun autre produit cosmétique à l'époque. Je ne sais pas maintenant parce que je n'y suis pas retournée depuis. J'y retournerai en juillet 2017. Donc du coup en juillet 2017, si je vois qu'il y a plus de cosmétiques ou quoi, je reviendrai sur cette vidéo pour compléter la barre d'infos. Mais pour l'instant non. Et il faut savoir que j'étais passée aussi en mai 2016 et qu'à l'époque en mai 2016 ils n'avaient pas encore mis de cosmétiques coréens, enfin ou asiatiques tout court. Donc voilà, donc c'est peut-être une nouvelle catégorie de produits qu'ils ont lancé, peut-être que ça n'a pas marché et qu'ils ont arrêté, je ne sais pas pour tout ça. Par contre, l'avantage de S-Market, qui est donc du coup rue Sainte-Anne, parce qu'il y a deux petites boutiques de nourriture asiatique à rue Sainte-Anne, ce qui est une autre que je conseille, mais malheureusement, à l'arrière de leurs produits, ils ne mettent pas d'étiquette, alors que S-Market, voilà, ça le petit autocollant, en fait, c'est un autocollant que S-Market rajoute et où en fait c'est écrit en français. Donc du coup ça te permet à toi qui ne connais pas le coréen, qui ne connais pas le japonais, tout ça, de lire les compositions des produits pour la nourriture et ici du coup de savoir par exemple ce qu'il y a dans ton masque et comment l'utiliser. Donc ça déjà c'est un gros avantage et c'est pour ça aussi que j'ai une préférence quand même pour S-Market, même s'ils sont un peu plus petits au niveau de la boutique que la deuxième. Donc du coup on va commencer par ce masque là, donc le rouge, qui est un masque énergisant et hydratant. L'autre aussi est énergisant et hydratant, mais il n'y a pas la même compo. Donc composé d'extrait de grenade, à l'acide aminé, à l'extrait de gelée royale et avec diverses vitamines pour une peau saine, parfaitement nourrie. Voilà. Donc après pour les informations de l'application, parce que je sais qu'on va souvent me le demander, donc il faut tout simplement avoir le visage lavé, tout propre, tout ça. Et mettre le masque tissu du coup sur le visage et le laisser agir entre 10 à 20 minutes. Et le retirer et après juste tapoter légèrement pour faire pénétrer le restant de produit. Donc déjà en ce qui concerne le masque en soi, je vais te le montrer quand même si je te mettrai sûrement des photos de moi avec le masque. Alors pas de panique, il y a une tache de sang, c'est tout simplement que je m'étais blessée au visage. Voilà, hein. Pas de panique. Hop, voilà. Donc c'est un masque tout à fait basique. Je trouve que en ce qui concerne le masque en soi, il me semble, sinon tu verras des photos et tu comprendras que je me suis trompée, je pensais à un autre masque, parce que j'en ai testé d'autres entre temps. Il me semble que la couvrance au niveau du visage était parfaite. En tout cas, en ce qui concerne mon avis sur le masque en soi et ses effets, pardon, il faut savoir que celui-ci est mon coup de cœur de la vidéo, tout simplement parce que j'ai senti mon visage du coup être nourri, être justement plus comment dire, plus rebondi, une peau plus belle, plus souple, plus jeune entre guillemets. Voilà, il y avait une sensation juste après avoir utilisé le masque et même quelques heures après, justement de peau plus nourrie, plus rebondie et plus fraîche. Donc j'ai trouvé ça très agréable. D'ailleurs les sensations sur le visage quand je l'ai utilisé, j'avais une petite sensation de frais mais très légère comparée à un autre masque dont je t'avais parlé, où je t'avais dit ne surtout pas le prendre en hiver parce que c'est horrible. Là la sensation de froid est très légère, donc supportable.
Et en ce qui concerne du coup l'aspect nourri, tout ça, j'ai juste adoré. Par contre, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos où je parle de masque tissu en soie. Donc en ce qui concerne le masque, il faut savoir que moi je suis du genre à ne pas respecter les temps de pause, 10 à 20 minutes. Si je vois qu'il reste encore pas mal de produits sur le masque, j'ai tendance à le laisser poser, par exemple 20 à 30 minutes si je vois que ça me dérange pas, si je vois aucun effet négatif sur ma peau, que je ressens rien, que voilà, ma peau me dit pas au secours, je vais laisser souvent poser plus longtemps, et ça permet aussi d'utiliser plus longtemps le produit, etc. Donc voilà, en ce qui concerne ce masque, du coup c'est un gros coup de cœur, et je vais te dire le principe de est-ce que je serais tentée de le racheter ou pas, même si je ne pense pas le racheter en soi. En tout cas pas pour moi. Peut-être que si je le retrouve, je pourrais gagner en concours, etc. Mais en soi pour moi, je ne le rachèterai pas parce que je suis toujours dans l'optique de tester toujours plus de nouveaux produits, donc de ne pas racheter un truc que j'ai déjà testé. Mais sinon, dans le truc, je rachète ou pas, celui-ci, oui. Donc du coup, on va enchaîner avec le deuxième masque qui est celui-ci. Donc il y a un truc qui m'a quand même surpris. Donc il faudrait que j'arrive à trouver la marque quelque part sur internet, leur site ou quoi que ce soit, pour leur poser la question parce que j'ai trouvé ça assez... Moi, ça m'a perturbé. Tu me diras en commentaire si toi, ça te perturbe. Donc, c'est un masque énergisant et hydratant composé d'eau minérale de la côte française. C'est un masque coréen. Il est fabriqué en Corée. C'est une marque coréenne. Mais ils ont été chercher de l'eau minérale de la côte maritime française. Voilà. Et d'un complexe hydratant naturel pour parfaire l'hydratation de la peau. Voilà. Pareil, laisser agir entre 10 à 20 minutes, etc. Donc par contre, en ce qui concerne celui-ci, je dois te dire que c'est un flop, tout simplement parce que je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas ressenti ma peau se nourrir, je n'ai pas ressenti un visage bombé et donc un visage plus frais, plus jeune, plus tout ce que tu veux, plus peps. Je n'ai vraiment rien ressenti, j'ai juste ressenti une petite légère sensation de froid qui était... plus petite que pour le masque rouge. Donc en ce qui concerne celui-ci, pour moi c'est un flop, mais après peut-être que ma peau n'était pas réceptive ce jour-là à l'utilisation, peut-être que tout simplement il ne me convient pas et que le rouge à la grenade est plus intéressant pour ma peau à moi. C'est possible aussi, donc voilà. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Pense à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Pense surtout à activer la petite cloche, histoire que YouTube t'annonce du coup à chaque sortie de vidéo. Car en dehors de ça, si tu n'actives pas cette fameuse cloche, YouTube a décidé de mettre en avant les grands YouTubeurs et de faire mourir les petits YouTubeurs. Donc du coup, on a besoin de cette fameuse cloche tout simplement pour être sûr que vous voyez notre contenu. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me mettre un commentaire histoire de me dire si vous connaissez cette marque ou pas du tout, si je vous ai donné envie de la découvrir ou absolument pas, et n'hésitez pas si vous avez testé cette marque ou si vous connaissez cette marque à nous mettre votre avis en commentaire. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve aussi très vite pour de nouveaux masques asiatiques. Sur ce, à bientôt !